Sidi Bamba est chauffeur. Il fréquente cette gare non autorisée au grand carrefour de Kumasi depuis plus d'une dizaine d'années. Parce que le problème des gares, si avec gare, tu vas voir toutes ces voitures garées ici. Ici, on est là aussi, on n'a pas en paix. On vient pour qu'on gare ici, nous chasse, on va là-bas, nous sommes chargés. On prend une voiture, on s'en va. On vient négocier encore, on vient. Comme lui, ils sont nombreux, ces chauffeurs qui exercent leurs activités dans ce type de gare situé le plus souvent en bordure de route, des carrefours et autres espaces publics. Ces gars, quand tu arrives, il y a des personnes qui non seulement vous bousculent, mais également, par moment, vous dépouillent de vos biens. Donc, cette organisation-là, elle n'est pas bien menée, il y a une anarchie totale. Les gars anarchiques, un phénomène qui gagne du terrain dans le district d'Abidjan. Si certains y trouvent leur compte, d'autres par contre dénoncent leur existence. Tout ça, ça arrange beaucoup la population. Mais l'essentiel, c'est qu'il faudrait que les mairies ou l'État les trouvent un local bien précis où ils pourront prendre toute la population. Sinon, ça nous aide beaucoup. Même si l'autorité s'arrange d'avoir des gars vraiment un peu bien rangés partout, ça sera toujours un peu pareil. Parce que d'autres vont forcément crier. Cause des désordres dans le secteur du transport urbain, le phénomène de gare anarchique doit prendre fin pour donner au district d'Abidjan un visage reluisant.